Cette deuxième entrée de Mercure en Vierge nous offre une occasion précieuse pour approfondir notre compréhension de ce qui s'est passé dans nos vies avant que Mercure ne commence sa rétrogradation au mois d'août. Ce retour en Vierge nous invite à intégrer plus de discernement dans nos vies, à apporter des changements alignés à partir d'une clarté fondée sur ce qui nous sert et ce qui ne nous sert pas. Ce qui est un parfait complément du travail de Mars en cancer dont je vous invite à réécouter l'épisode et du cycle lunaire en Vierge dans lequel nous sommes actuellement. Vous écoutez l'épisode 44 de la saison 2 de la balade astrale consacrée au retour de Mercure dans le signe de la Vierge en ce 9 septembre 2024. Je vous souhaite une excellente écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 9 septembre 2024, Mercure revient dans le signe de la Vierge. Cette période nous offre une opportunité de revoir, clarifier et comprendre ce qui s'est déroulé dans nos vies au cours des dernières semaines. C'est un moment de grande lucidité qui arrive juste après une période d'incertitude. Mercure était donc déjà entré en Vierge début août, mais dans ce signe analytique et terre à terre, il avait entamé une rétrogradation qui l'a ramené en Lion. Durant cette phase rétrograde, beaucoup d'entre nous ont pu rencontrer peut-être des malentendus, des hésitations ou encore des Doutes sur certaines décisions. Mais cette rétrogradation n'était pas négative. Elle nous a aussi permis de revoir certains aspects de notre vie et de mieux comprendre où nous en sommes réellement. Maintenant que Mercure a repris sa marche directe fin août, il revient en vierge. C'est l'occasion parfaite pour éclaircir les malentendus, pour résoudre des problèmes qui semblaient peut-être complexes et surtout pour intégrer de nouvelles informations qui émergent. Nous pouvons maintenant appliquer les leçons apprises pendant cette rétrogradation. Nous sommes invités à affiner notre discernement et à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me sert vraiment Qu'est-ce qui ne me correspond plus La Vierge est un signe de terre minutieux et perfectionniste, toujours en quête d'amélioration. Quant à Mercure, planète de communication et de pensée, quand elle se trouve dans ce signe, nous pousse à être plus organisés, plus clairs dans nos réflexions. Il devient plus facile de trier les idées, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. C'est une période où le détail compte, où la précision dans nos mots et nos actions est essentielle. La première entrée de Mercure en vierge début août nous avait déjà donné un aperçu de cette énergie, mais avec sa rétrogradation, tout a été mis un peu sur pause. Pour nous permettre de réévaluer certains aspects de notre vie. À présent, avec ce retour en vierge, nous sommes invités à appliquer les leçons que nous avons apprises. Il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais d'agir avec discernement. Lors de cette deuxième entrée de Mercure en vierge en ce 9 septembre 2024, plusieurs configurations astrologiques influencent cette période. En effet, Mercure est en carré avec Uranus et avec la Lune qui est alors en scorpion. Il est aussi en sextile avec Mars en cancer et il est en maison 11. Le carré formé entre Mercure en vierge et Uranus en taureau est une configuration qui peut provoquer des perturbations dans notre façon de penser et de communiquer. Le carré en astrologie représente un aspect de tension, un défi entre deux énergies qui peinent à s'harmoniser. Et ici, nous avons d'une part Mercure, planète de la pensée rationnelle et de la communication, qui est en tension avec Uranus, planète de l'innovation, des changements soudains et des révélations inattendues. Sous cette influence, nos idées peuvent surgir de manière imprévisible. Les discussions peuvent soudainement prendre une tournure différente, déstabilisant notre vision habituelle des choses. Uranus, avec son énergie rebelle, peut générer des pensées révolutionnaires ou des vérités choquantes. Ces révélations peuvent nous forcer à revoir des concepts que nous considérions comme acquis, provoquant au passage une remise en question de nos croyances et de nos habitudes mentales. Alors cette période peut se traduire par des conversations inhabituelles, ou des messages inattendus qui bouleversent notre quotidien. Par exemple, une idée nouvelle pourrait éclater dans notre esprit comme une étincelle, mais avec une force telle qu'elle pourrait aussi provoquer une certaine confusion. Il est possible que des tensions émergent dans nos échanges avec les autres, notamment si nous essayons de maintenir des perspectives trop rigides. C'est comme si Uranus venait briser les cadres que nous avons établis pour nous obliger à adopter un angle nouveau, souvent plus audacieux et plus créatif au passage. Cependant, bien que cela puisse être inconfortable pour certains, ces moments de désordre mental sont aussi des opportunités, des opportunités qui nous invitent à sortir de notre zone de confort, à laisser tomber des idées préconçues et surtout à adopter une nouvelle perspective. Uranus, avec son énergie de changement, nous pousse à nous libérer des contraintes mentales et à accueillir de l'inattendu. Ce n'est pas un processus facile, soit, mais c'est un chemin vers plus d'authenticité et de liberté intellectuelle. Il faut donc accepter ces tensions comme un moment de réajustement pour mieux avancer. Et puis, Mercure est aussi en sextile avec Mars qui est en cancer. Ça crée une énergie fluide et constructive. Cet aspect encourage une coopération entre nos pensées, Mercure, et nos actions, Mars. Alors que Mars en cancer est plus centré sur les émotions, la famille, le soin, il nous invite à agir euh, d'une manière qui respecte nos sentiments et ceux des autres. Alors Mercure en sextile avec Mars nous permet d'agir en tenant compte de ce que nous ressentons profondément, tout en utilisant une approche logique et pratique. Alors ça peut se traduire par la mise en place de nouvelles habitudes ou de prendre des décisions basées sur des besoins émotionnels. Par exemple, c'est le bon moment pour créer une habitude qui reflète à la fois notre logique et notre désir de sécurité émotionnelle. Ce sextile adoucit quelque part les tensions créées par le carré entre Mercure et Uranus en apportant une forme de sensibilité ou de réflexion, une configuration qui nous permet de canaliser les idées disruptives et de les transformer en actions pratiques, tout en étant l'écoute de nos émotions. Ça permet d'agir de manière consciente avec soin et douceur, et cela est la clé pour faire avancer nos projets avec plus d'harmonie. Et puis Mercure est aussi en carré avec la Lune, qui se trouve alors en scorpion au moment où Mercure revient dans le signe de la Vierge. Ce carré reflète souvent des conflits entre ce que nous pensons de manière rationnelle, Mercure, et ce que nous ressentons profondément, la Lune, et en plus en scorpion. En effet, la lune en scorpion, elle est intense, elle est profonde, elle peut faire remonter des émotions cachées à la surface. Parfois, il y a des peurs d'ailleurs ou à des désirs que nous préférerions peut-être ignorer. Rappelez-vous, je vous avais dit que le transit de Mars en cancer pourrait nous aider à parler plus facilement de nos émotions enfouies. Alors, ça peut se traduire par des moments où nos pensées logiques ne sont peut-être plus en phase avec nos ressentis. Le cœur dit quelque chose, la raison dit autre chose. Nous pourrions nous sentir tiraillés entre ce que notre esprit nous dicte et les vérités émotionnelles que nous avons peut-être aussi parfois du mal à accepter. C'est donc une possibilité ici d'explorer les zones d'ombre de notre psyché, à nous confronter à des vérités émotionnelles parfois inconfortables mais dans le but évidemment de les guérir ou du moins de les améliorer. Ce carré entre la Lune et Mercure, ça peut également représenter des secrets ou des vérités qui sont mis à jour, qui sont dévoilés, qui pourraient alors perturber notre équilibre mental, nos certitudes. Alors, n'est pas une période facile finalement pour la communication, parce que les mots peuvent être gonflés de sous-entendus, les échanges chargés de tensions émotionnelles hein, avec Mars en cancer, mais c'est une phase essentielle pour créer une sorte de libération nécessaire pour pouvoir avancer de manière plus sereine. Et puis, au moment de son entrée dans le signe de la Vierge pour la deuxième fois, Mercure est ici en maison 11, la maison des groupes, des idéaux, des amis, une maison dans laquelle la communication prend une dimension collective. Or, je viens de vous dire que la communication ne serait pas toujours facile car fortement conduit par les ressentis et par l'émotionnel et pouvant déstabiliser la logique rationnelle. Alors Mercure en maison 11 met l'accent justement sur nos interactions sociales, sur le partage des idées et sur nos cercles d'amis. Donc il nous invite à échanger, à collaborer avec les autres. Il nous invite à réfléchir aussi à l'impact de nos idées sur les autres. Sur la manière dont nous pouvons également apporter notre contribution au bien commun, pourquoi pas. Donc il faut échanger avec les autres, même si ce n'est pas toujours facile, de dire certaines vérités, mais d'être aussi capable d'entendre certaines vérités. Et être capable, puisque ces idées et ces communications avec Uranus pourraient arriver euh, comme un éléphant dans un jeu de quilles, et euh, il faut être prêt à les entendre, même si c'est vraiment euh, de manière inattendue. Alors nos pensées ne seront plus limitées à notre monde intérieur, mais vont pouvoir aussi s'élargir, et ça c'est important, donc de s'ouvrir à d'autres perspectives comme je le disais au début. Donc avec ce retour de Mercure en vierge, nous avons ici une chance de remettre de l'ordre dans nos vies, de clarifier nos intentions, de prendre des décisions éclairées, à utiliser notre discernement pour créer des changements positifs et alignés avec nos véritables besoins, mais tout en sachant aussi garder l'esprit ouvert à l'imprévu et à tout ce qui peut remonter. Et tout cela prépare le terrain pour la prochaine grande étape astrologique qui sera la pleine lune éclipse partielle. En poisson et qui nous poussera à aller encore plus loin dans notre quête de clarté et d'harmonie en nous connectant encore plus à notre intuition profonde alors que Mars en cancer nous y connecte déjà mais aussi à nos rêves les plus subtils mais pour l'instant je vous invite à rester ancré dans l'énergie de mercure en vierge avec discernement et lucidité je vous retrouve donc très bientôt pour le prochain épisode de cette balade astrale en attendant prenez soin de vous portez vous bien